Les langues se délient depuis la diffusion de l'ultime épisode de la saison 8 de Mariée au premier regard sur M6. Pour Ophélie, cette expérience s'est soldée par un échec puisque son mariage avec Loïc, avec qui les experts lui assuraient 79% de compatibilité, n'a pas fonctionné. Même si la magie n'a pas opéré entre les deux célibataires, ils ont décidé de rester mariés lors du bilan de leur aventure. Mais malgré cette ultime tentative pour le couple, l'amour n'était pas au rendez-vous. Ophélie et Loïc ont divorcé depuis le tournage de l'émission. Invitée dans Toute intimité sur la chaîne YouTube de Samzira, Ophélie est revenue sur son parcours dans Mariée au premier regard. Lors de cet entretien, elle a dénoncé une manigance de la production qui a fait du tort à ses proches. Il s'agit de la présentation de sa problématique lors de laquelle elle explique qu'il y a une immalédiction et en amour au sein de sa famille. Un commentaire qui n'est pas passé. À aucun moment je m'attendais à ce que ce soit le mot qui me résume et qui résume ma situation. Ce n'est pas du tout le cas et a confié Ophélie à Samzira à propos de la problématique avancée par la production. Ça m'a énormément gênée parce que ce n'est pas la réalité. On ne peut pas parler de malédiction, ça sort d'où ce mot, ça ne veut rien dire, a-t-elle commenté avant d'avouer que sa mère a souffert de cette présentation. Ma maman ne l'a pas très bien vécue parce qu'elle s'est retrouvée un peu sous le feu des projecteurs alors qu'elle n'a rien demandé. Elle savait qu'elle était filmée, mais elle n'était pas à l'aise avec ça. Ophélie a évoqué l'image pessimiste qui a été donnée de sa mère et de sa sœur dans les épisodes de Mariée au premier regard. Et elles sont peut-être même moins fermées que moi sur l'image des hommes et ce n'est pas ce qui ressort. Et c'est ça qui est terrible, a-t-elle résumé. J'étais très en colère contre la production parce qu'en fait, je veux bien qu'on raconte ce qu'on veut sur moi, il n'y a pas de souci, je veux bien me prendre des critiques, mais ma famille, non, surtout quand ce n'est pas vrai, a clarifié l'ex-femme de Loïc. Et ça me démangeait de réagir, mais on ne peut pas le faire. Moi, je sais ce qu'elles valent et c'est le plus important, mais c'est sûr que ça a été dur pour elles, a-t-elle finalement déclaré avant de révéler. Une mariée au premier regard s'est terminée pour elles, elles ne veulent plus entendre parler de cette émission.